Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner la stratégie numéro 1 que j'utiliserais moi si je devais recommencer de zéro mon activité de coach sportif. Et donc, cette stratégie que j'utiliserais, tout simplement, j'irai frapper un club de fitness. Donc, j'irai rencontrer un directeur de club, manager de club de fitness. Et tout simplement, je redémarrerai mon activité dans les clubs de fitness. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour plusieurs points importants. Le premier, c'est que déjà, là où sont les clients, enfin tout du moins des prospects qualifiés qui peuvent être intéressés par le coaching, bah, disons que c'est le meilleur endroit d'en trouver plein, d'accord ? Imaginez un petit peu quand vous rentrez dans un club de fitness, les gens sont déjà en train de faire du sport et donc le meilleur moyen, le moyen le plus facile de trouver des clients, bah, c'est déjà d'aller dans le club de fitness et de proposer ses services de coaching. En deux, ça vous permet aussi d'avoir une certaine stabilité, de démarrer avec 0 euro ou 0 francs ou 0 ce que vous voulez, avec très peu d'investissement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de génial, surtout quand on n'a aucune expérience, qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent sur le compte. C'est le meilleur moyen de démarrer. La troisième chose, c'est que vous allez aussi travailler en relation avec d'autres personnels traîneurs, vous allez être en relation avec des instructeurs, vous allez être en relation avec des commerciaux, des hôtesses d'accueil. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est un gage de sécurité et surtout pour démarrer, c'est vraiment fantastique. Et je dirais que la quatrième chose dans tout ça, c'est qu'on peut avoir une sécurité au niveau financier. On peut, il y a certains clubs aussi qui proposent des systèmes de salariat, enfin voilà, un peu l'idée de l'indépendant. L'indépendant peut être intéressant sur certains points, néanmoins le côté salariat, c'est aussi intéressant pour celui qui est employé, donc pour celui qui est salarié. Donc je dirais que toutes ces choses-là font que la stratégie de démarrer son activité, si vous êtes passionné vraiment par le coaching sportif, c'est vraiment de vous diriger vers les clubs de fitness. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de clubs de fitness qui essaient de mettre en place des bons process, qui ont envie d'apporter un service à leurs membres. Et c'est un bon moyen, c'est une superbe opportunité pour vous de pouvoir démarrer. Donc voilà. La petite aparté, je voudrais juste revenir avec vous. J'organise la semaine prochaine un nouvel atelier. Alors un atelier qui va être en fait, si vous êtes vraiment intéressé par démarrer dans le coaching sportif, si vous voulez, si vous avez vraiment du mal à trouver des clients, je suis en train de créer vraiment un atelier spécifique dessus. Donc là, j'ai mon petit carnet de notes. Et en fait, je vais parler avec vous de plusieurs choses, de plusieurs points hyper importants. Notamment, on va parler tout d'abord de productivité, d'efficacité, en vous montrant, alors je vous parle souvent de la semaine de 4 heures, qui est un bouquin fantastique, mais qui ne reflète pas du tout, on va dire, notre business au quotidien. C'est-à-dire qu'au début, il va falloir que vous mettiez la main à la pâte, que vous bossiez énormément. Si je reprends moi mes débuts, j'ai bossé énormément pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc il n'y a pas de secret, à un moment donné, il faut bosser. Donc je vous expliquerai tout ça dans cet atelier. Je vous reparlerai de positionnement et je vous expliquerai comment simplement vous pouvez mettre ça très simplement en place, vous, chez vous, dans votre activité, quel que soit votre modèle économique, quelle que soit la région où vous êtes. Dans la troisième étape, je vous parlerai aussi d'une notion de marketing, donc les flyers. C'est vrai que j'en ai parlé dans certaines vidéos où les flyers étaient peut-être pas forcément intéressants. Là, j'ai trouvé une stratégie, j'ai mis en place une stratégie qui fonctionne et qui marche, donc je vous la donnerai. Ensuite, je vous parlerai de mailing list. Le mailing list, pour moi, c'est un peu ce qui va vous permettre de pouvoir travailler sur votre liste, donc récupérer des emails.
et de pouvoir recontacter les gens à très court terme, moyen terme, pour leur relancer, leur faire des offres, leur faire de nouvelles promos. Donc je vous expliquerai comment vous allez créer votre propre mailing list et comment vous allez faire pour générer de l'argent. Ensuite, on parlera du système de réseau, pourquoi il est important à un moment donné de pouvoir rencontrer des gens, parce que c'est bien beau de rester devant son PC en essayant de bidouiller sur Facebook ou sur d'autres sites internet pour récupérer des gens, mais vous verrez que rien ne remplace l'humain et les rencontres que vous pouvez faire avec les gens. Donc on parlera de ça dans le module. Je vous parlerai alors de l'investissement, de qu'est-ce que vous avez besoin pour réussir vraiment dans le coaching. C'est-à-dire, on me pose souvent la question, voilà, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce qu'il faut que j'achète du matos? Quel matériel j'ai besoin? Vous verrez que c'est bien plus facile que ça pour démarrer dans l'activité, dans le business du coaching sportif. On parlera également de vente, forcément. Je vous parlerai de page Facebook. Donc je vous parlerai de marketing et surtout je vous demanderai, et ça c'est aussi très important, à un moment donné de pouvoir passer à l'action. Je vous apporte beaucoup de contenu, je vous apporte des choses, enfin, j'essaie de vous apporter des choses qui moi me servent au quotidien, qui m'ont déjà servi pour développer mes activités, et je vois beaucoup de gens qui passent pas à l'action, qui procrastinent et qui se disent bon bah je le ferai demain, ça a l'air cool mais je le ferai demain. Et en fait, à la fin, on fait les comptes et rien ne s'est passé. Donc, j'ai vraiment compilé, je pense que ça va être un gros atelier. Donc, c'est l'atelier, en fait, bah, là où je tourne cette vidéo, quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. L'atelier n'est pas encore fait, n'est pas encore sorti, je suis en train de travailler dessus. Donc, je peux vous permettre de récupérer cet atelier, d'accord. C'est un atelier qui va être... destiné autant pour les personnes qui travaillent dans des structures, mais aussi pour les coachs à domicile, pour si vous voulez vous lancer dans le coaching à domicile ou si vous êtes coach à domicile et que vous galérez un peu. Je pense que cet atelier va vraiment répondre à vos attentes. Donc, si vous voulez justement préserver l'atelier, l'atelier en fait est juste en dessous, il suffit de cliquer, de réserver l'atelier. C'est une offre en fait qui se reproduira jamais. C'est un prix ridicule par rapport à ce que vont payer les clients ordinaires de mes formations. Donc la formation, elle va être facturée 197 €, comme toutes mes autres formations, mais en avant-première. Donc vous pouvez la réserver, la récupérer. Vous la récupérerez que la semaine prochaine. Vous allez récupérer les premiers modules. Donc, si le contenu vous intéresse, voilà, c'est juste en dessous de la vidéo. Puis nous, de toute façon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous apporterai de nouveaux conseils pour développer votre activité. Salut !